Il faut commencer par changer et notre situation, notre réalité immédiate et à travers l'action collective. Et c'est pourquoi le MPP s'occupe principalement des problèmes vitaux et de la paysannerie, le problème de l'eau, hein, le problème des semences, et le problème de la production. Nous avons mis sur place un système d'irrigation à Machekana dans la zone de Mirbalet, où nous a, la mise en place de ce système nous a permis d'irriguer plus de 200 carreaux de terre. Aujourd'hui, les paysans témoignent qu'ils ont produit pas mal d'haricots, ils ont produit pas mal de bananes, et ça a changé beaucoup les situations économiques, non seulement pour envoyer les enfants à l'école, mais aussi s'il y a un problème de maladie au niveau de la famille, ils ont de l'argent pour payer les soins médicaux. Et ça, c'est pour nous un changement et positif. Donc ils travaillent pour son autosuffisance, avoir de quoi nourrir sa famille et puis alimenter avec le surplus qu'ils obtient à partir de son travail. Donc normalement, souveraineté alimentaire, toutes les activités que MPP pose pour ça. MPP lutte pour une agriculture paysanne, une agriculture qui respecte l'environnement, donc que les paysans utilisent leurs propres semences, les semences qu'ils produisent à travers leur jardin, donc des semences qui ne sont pas des semences exotiques, des semences qu'on importe, des semences que les paysans doivent participer à la sélection et la conservation de leurs propres semences. Gen yon bagay ke nou te kapab diyo, ou kon kouran kap menen yo, se son kesyon, la jan, a tout pri, kon si pran souwe peyizan yo pou fe la jan, nou men nou vle genyen an sosyete ki juste, an sosyete egaliter. On se de côté tout le monde, je ne dis quoi pour vivre, pour vivre bien. Et c'est ça que les gens disent, on projet de société, on projet côté tout le monde vivre à l'aise. On projet côté paysan yo qui vivre tant qu'un professionnel. Côté tout le monde a droit pour vivre. Côté tout le monde qui a un caï pour habiter. Côté tout le monde qui a un petit de l'école. Côté tout le monde. Quand je suis en santé, je suis malade. Côté tout le monde, quand je suis en loisir, ça veut dire en société, côté mon santé, la vivre. Donc, dans ce sens, ça nous dit, nous avons besoin pour une société, côté l'état miel a coulé pour tout le monde à la ronde badé. Sans exploitation l'homme par l'homme. Nous ne parlons pas de ça, nous avons besoin contre ça. Et c'est ça que fait. Tout ça qui gagne exploitation là-dedans, nous va là-dedans. Nous avons beaucoup moins contre lui. Et c'est peut-être ça, nous avons un pile monde adversaire qui est toujours ensemble avec nous. Parce que vous connaissez, nous avons profité de l'exploitation pour faire bien-être. Nous avons un pile division pour même pour profiter. Même système, yo, qu'on aime bien, sans la dire, nous avons déjà rentré dans toute bagaille, ouais. Mais quand même, nous avons contre ça. Et puis, nous voulons vraiment nous construire en Haïti. En Haïti, nouvelle. En Haïti, côté tout le monde, je veux la vie. En vivre, vivre. Mon avis, vivre.
un petit pays par nous qui nous dirait les pelles des Antilles, je dis à nous reste à le devenir. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes nous fiers pour nous encadrer majorité ya, qui c'est paysan yo, qui représente 65 à 80% moun kap vive nan pays ya, c'est eux-mêmes. Et puis c'est eux-mêmes qui pi maltraité. Et si c'est sous do yo tout économie pays ya chita. Parce que c'est eux-mêmes qui travaillent. C'est eux-mêmes qui baillent tout l'autre secteur au manger. Parce que manger pas donner dans palais ni dans ministère. Et ça veut dire que c'est sous compte paysan, il y a toute qualité manger. Et puis, produit élevage, yo. C'est paysan qui fait. Ça veut dire que les gens ont un respect. Personne n'était fier de dire que je suis paysan. Aujourd'hui, c'est un travail que le MPP a fait au niveau national. Faire reconnaître que paysan est un homme ou une femme. Comme tous les autres. Et il n'est pas inférieur aux citadins. Je suis le Vixen Vachin. Je suis dans la zone Colladère. Je suis dans la 4e section ici, dans la commune Hesse. Moi-même, c'est un paysan. C'est l'éducation bancaire, c'est comme si le professeur, lui, il a la tête pleine et l'élève a la tête vide. Donc, il transmet un peu de son savoir à la tête vide. Et Palofrérou disait que non, personne n'éduque personne. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et animateur ou bien animatrice? C'est nous capable dire c'est des éducateurs ou bien éducatrices populaires qui c'est des agents de développement que côté nous travail avec ni femmes ni garçons ni jeunes en façon pour nous capable faire éducation populaire pour eux et sous question gens société à lier même formation nous te qu'a dire c'est toute formation qui est fondamentale mais deux de bagaille dans la formation, c'est l'éducation que nous allons faire au point de vie groupement, au point de vie paysannerie. Il n'y a pas de temps pour le travail. Il n'y a pas de manger, il suffit pour manger. Dans la reproduction, il est là-dedans. Et dans la réforme, paysan yo, c'est un point fondamental et puis à le reproduire continuellement. C'est ça qui est un fondamental. C'est à le travailler avec eux, puis sortir dans une situation pour revenir dans l'autre situation. C'est un point fondamental. Ce binôme, c'est à le travailler avec paysan malheureux pour prendre l'autre instance. C'est bi fondamental. Capacité à partir de la méthode de formation que MPP utilise pour aider les gens à prendre conscience. Premièrement, sensibiliser les gens et puis les gens eux-mêmes prennent conscience de leur état et travailler pour changer leur situation. C'est une garde, et 1973 que le mouvement a pris naissance avec Jodia, gagner un grand progrès qui fait. Parce que Jean Mzoula, dans ta avant, femme n'a pas gagné, femme n'a pas gagné la parole. Femme pati ka vinn chita nan réunion si c'est nan temps ça pa tap ka vinn facile comme ça pour me sortir n'importe les vinn bon côté ou ni sortir al travail parce que femme pati gen droit pour te sortir femme c'était seulement rete la caille et jodi a nous capable di gagner en pile femme qui rive organiser même si vraiment situation a totalement changé les paysans doit participer pendant la préparation de la terre pendant la plantation pendant la récolte et jusqu'à la transformation. C'est ça que nous appelons le processus de production. Et il y a beaucoup d'institutions qui parlent de sécurité alimentaire. Mais nous, au niveau du MPP, nous parlons de souveraineté alimentaire parce que nous consommons. Ce que nous consommons, nous devons savoir où vient
c'est nourriture là. Mais les gens qui parlent de sécurité alimentaire, ils mangent sans savoir où viennent ces nourritures. C'est pour ça au niveau du MPP, nous parlons de souveraineté alimentaire. Et nous parlons de la conservation de la biodiversité pour avoir une souveraineté alimentaire sûre. Et aussi, c'est pour ça que MPP entre dans la question de protection des bassins versants pour permettre aux paysans de protéger leur sol pour avoir une meilleure production pour assurer l'avenir de la famille ici. Donc la souveraineté alimentaire, c'est un droit que chaque peuple, chaque nation, chaque personne, chaque pays doit décider sur la politique agricole, sa propre politique agricole. Non, une agriculture importée, une agriculture qui va détruire l'environnement. Donc le MPP aide aux paysans, mais forme le paysan pour qu'il soit l'acteur de son propre développement. Que le développement doit être un développement endogène, mais soit commencé par le paysan même. Je me souviens d'une date inoubliable pour moi. C'est la marche pacifique que nous avons réalisée le 4 juin 2010 contre les semences d'hybrides de Monsanto. C'est une des actions qui a fait couler beaucoup d'encre en Haïti. Parce que Monsanto s'est obligé de parler, de dire non, moi je n'ai pas envoyé de semences OGM, mais plutôt des semences hybrides. Et nous, nous avons frappé le pied pour dire non, non, nous ne voulons pas ça. Et l'État s'est obligé de retourner sur cette décision, de ne pas laisser entrer la cargaison additionnelle qui devrait arriver dans le pays. Et même les paysans qui ne prennent pas dans la marche que nous avons réalisée, ils ont entendu parler et ils ont décidé d'arracher les plantes qui proviennent de ces semences. Et c'est avec ça qu'on arrive à éliminer les dégâts qu'il aurait pu avoir les conséquences de ces semences sur le pays. Le MPP est membre d'une organisation nationale, et c'est MPNKP. Donc chaque fois, ou chaque mois, ou périodiquement, on a reçu la visite ou bien une rencontre nationale où tous les membres du MPNKP viennent ici, participer dans des rencontres. Donc à partir de ça, ici nous avons le centre, ici c'est un centre pilote. Nous avons fait maximum d'expériences ici, pour que les gens, quand ils viennent, ils voient exactement de ce que ça reflète. Pour la question de l'environnement, donc nous avons donné des exemples. Donc nous avons commencé, donc avec ça, nous avons donné des exemples qui peuvent contribuer pour travailler à l'amélioration de la situation environnementale du pays. Donc ça n'est pas qu'au niveau national. Parce qu'une fois nous sommes membres du MPNKP, chaque périodiquement les gens viennent ici voir ce que le fait le MPP spécifiquement, donc il y a un effet multiplicateur. J'aime mon pays. Je veux que nous avons un pays où la vie est possible pour tous. Et quand je dis où la vie est possible, où la vie est possible dignement pour tous les fils du pays. Et moi, je veux rester dans mon pays pour participer même au changement qu'il doit avoir dans le pays. La devise du MPP, c'est organisation ou la mort. Donc, ou bien on s'organise, ou bien on est mort. La seule chance des pauvres, c'est une chance collective. Donc, nous disons, il n'y a pas de salut personnel. Donc, le salut est collectif.